On va pas se mentir, parmi les fans de Benjamin Tranier, il y a peu d'antispécistes convaincus. Et parmi les personnages de Benjamin, c'est pareil, notamment l'un d'entre eux. Bonjour Claude Bourbier. Ouais, allô ? Ouais, Aziz ? Ouais ! Non, jamais de la vie, Aziz, hein. Non, tu me fais pas ça, Aziz. Non, c'est Aziz, il veut contacter Dieudonné pour l'inviter dans l'émission d'aujourd'hui. Non, non, antispécisme. Le mot du jour, c'est antispécisme. Du coup, on t'a confondu avec un autre mot. Non, le contacte pas, il va venir avec Bigard. Ben, Bigard, je vais piquer des trucs que je lui ai jamais rendus. Non, je peux pas lui rendre. Parce qu'ils sont dans mon nez, Aziz. Voilà, tout simplement. Bon, allez, je te laisse. Ça fait un moment que j'ai pas vu Mathieu Noël et j'ai pas encore complimenté son zizi. Voilà. Ça va, mon Mathieu? Toujours Verge Mauve en Kamasutra. Le grade au-dessus, c'est Francky Vincent Sensei, la classe. Ça va, la figure? Faites toujours croire à vos parents que vous êtes à la fac. Ça va, ma mouillette du Moon City? J'ai ta serviette à la maison. Tu veux pas que tu veux que je te la lave ou je te la laisse cartonneuse comme tes chaussettes? Eh bien, joué le régime, hein. Tes boutons de chemise commençaient à avoir besoin d'un numéro vert, on n'osait pas te le dire. Mais t'es pas assis là d'habitude? Oh putain, merde, c'est quoi ce merdier, non? Salade, tomate, oignon, putain, le sosie. Toi aussi, t'essaies de vendre ta moto sur Tinder? Ça va tout le monde? C'est quoi ce temps de merde là? Il fait tout gris, ça fait une semaine que dès que je lève les yeux au ciel, j'ai l'impression de regarder la moumoute à ZZ de Pierre-Emmanuel Barré. Bon. Mathieu, oh non, Mathieu, faut que je te parle d'un beau projet, oui, là. C'est un jeune réal, Arsène, un gros baiseur. Il fait son premier film avant de dire non. Et pour que tu comprennes bien l'ambiance, je préfère te le pitcher sur la musique du film Philadelphia. C'est l'histoire d'un jeune homme antispéciste. Et comme tous les défenseurs de la cause animale, bah, il a un énorme cœur. Et ce petit gars, un jour, bah, il est frappé par une maladie qu'il bouffe petit à petit de l'intérieur. Ce petit bonhomme, bah, il pourrait se battre, mais pas au-delà de ses principes. L'amour, c'est ce mot dont on doit se souvenir quand on parle de ce film. Pas de cette maladie, non, non, non. Il a tout pour lui, une femme qu'il aime, des amis présents jusqu'au bout. Alors, parce qu'il l'aime avant tout, il les aime avant tout, il leur dit au revoir à chacun de ses proches avant de partir, en leur expliquant pourquoi il laisse cette foutue maladie le ronger de l'intérieur. Ça a l'air d'être un film vraiment bouleversant. Il est malade de quoi, cet antispéciste? Il a des vers au cul. Ouais, ouais. Et comme il est antispéciste, bah, il veut pas se faire vermifuger le trou de sac. Sinon, les vers, ils meurent. Bah oui, Mathieu. Vous êtes toujours sur France Inter. Oscar du meilleur film étranger. Bah, ça, c'est une promesse. Bon, allez, je te laisse réfléchir. Là, faut que j'aille voir le réel de Microcosmos. On voudrait faire un docu sur la colonie qui vit dans le sillon interfécié d'Emeric Lomprey. Allez, bisous. Bisous, bisous mon Claude. Et retrouvez Benjamin Tranier pour la dernière de son spectacle Dernier Relais le 11 février au Sébastopol de Lille.